Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la partie numéro 9 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Voilà le plan qu'on va suivre dans cette vidéo. On va voir deux notions, axe de symétrie, centre de symétrie d'une courbe représentative. Il est réparti comme suit, propriétés, des remarques et on va terminer la vidéo avec un exercice d'application. Axe de symétrie, centre de symétrie, propriétés, soit f une fonction numérique définie sur un ensemble D, cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé A et B de nombres réels. On dit que la droite delta d'équation x égale à a est un axe de symétrie de la courbe CF si seulement si pour du x de d on a de a moins x, x égale à a, de a moins x appartiennent à d et la deuxième condition f de a moins x égale à f de x. Pour le centre de symétrie, le point oméga de coordonnées A et B est un centre de symétrie de la courbe CF si seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées. La première, quel que soit x appartient à D, double A moins x appartient à D. La deuxième condition, pour 2x de D, f de double A moins x moins double B, voilà A et voilà B, moins 2B égale à moins f de x. Des remarques. CF une fonction paire, alors l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de sa courbe représentative dans un repère orthonormé. La deuxième remarque, CF est une fonction impaire, alors l'origine du repère est un centre de symétrie de sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On va terminer avec un exercice d'application. L'exercice dit, la première question, montrer que la droite delta d'équation x égale à moins 3 est un axe de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 6x plus 4. La deuxième question, montrer que le point oméga de coordonnées moins 4, 3 est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale 3x moins 2 tout divisé par x plus 4. Commençons par la première question, montrant que la droite delta d'équation x égale à moins 3 est un axe de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 6x plus 4. On a f est une fonction polynôme, alors df, son domaine de définition, égale à r. Montrons la première condition. Montrons que, quel que soit x appartient à d, dans ce cas df égale à r, on a 2a moins x appartient à d, tel que a c'est moins 3 dans ce cas. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à r, j'ai remplacé a avec moins 3. Ici, 2a, c'est-à-dire moins 6 moins x appartiennent à r. Soit x un élément de r, on a moins x, moins 6 moins x, il est dans r. La somme de deux nombres réels est un nombre réel. Alors, quel que soit x appartiennent à r, moins 6 moins x, c'est un élément de r. Montrons la deuxième condition, c'est-à-dire montrons que, quel que soit x appartiennent à d, f de 2a moins x égale à f de x. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à r, f de moins 6 moins x égale à f de x. J'ai remplacé a avec moins 3. Soit x un élément de r, on a f de moins 6 moins x. On va calculer le premier côté et on doit trouver le deuxième. F de moins 6 moins x égale, je remplace x avec moins 6 moins x dans l'expression de f. Alors moins 6 moins x tout au carré plus 6 multiplié par moins 6 moins x plus 4. Ici,
égale à 6 plus x tout au carré, car moins a tout au carré égale à a au carré. Et ici, on a développé 6 fois moins 6, c'est moins 36. 6 fois moins x, c'est moins 6x plus 4. Ici, c'est une identité remarquable, alors on va développer a carré plus double ab plus b carré, tel que a c'est 6 et b c'est x. Moins 36 moins 6x plus 4. 36 moins 36, deux nombres opposés, la somme égale à 0. Et 12x moins 6x c'est 6x, x au carré c'est x au carré, donc on aura cette expression, x au carré plus 6x plus 4, et cette expression c'est l'expression de f. Alors on a montré la deuxième condition. Donc, quel que soit x appartient à R, f de moins 6 moins x égale à f de x. Et par suite, la droite delta est un axe de symétrie de la courbe représentative CF sur R. La deuxième question. Montrons que le point oméga de coordonnées moins 4, 3 est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale 3x moins 2 sur x plus 4. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. Puisque f s'écrit sous la forme d'une fraction, alors df c'est tous les nombres réels tels que f de x appartient à R, c'est-à-dire x plus 4 différent de 0, f de x appartient à R si seulement si le dénominateur soit non nul. Cela signifie que x différent de moins 4, alors df ou bien l'ensemble des définitions de la fonction f est tous les nombres réels sauf moins 4. Montrons la première condition, c'est-à-dire montrons quel que soit x appartient à d, double a moins x appartient à d. Ce qui y implique que quel que soit x appartient à r sauf moins 4, moins 8 moins x, a c'est moins 4 dans ce cas d'après les données d'exercice. Alors moins 8 moins x appartient à r sauf moins 4. Soit x un élément de r sauf moins 4, on a x est différent de 4, x appartient à cet ensemble, c'est-à-dire x différent de moins 4. Ce qui implique que moins x différent de 4 implique que moins 8 moins x différent de moins 8 plus 4, c'est-à-dire moins 8 moins x différent de moins 4, et cela signifie que moins 8 moins x différent de r, appartient à r sauf moins 4. Alors la première condition est vérifiée, c'est-à-dire quel que soit x appartient à r sauf moins 4, moins 8 moins x appartient à r sauf moins 4. Montrons la deuxième condition. Quel que soit x appartient à d, f de double a moins x moins f de b égale à f de moins x. C'est-à-dire, il faut montrer que quel que soit x appartient à r sauf moins 4, f de moins 8 moins x moins 6 égale à f de moins x. Ici, on a remplacé a avec moins 4, c'est d'après les données de l'exercice, et on a remplacé b avec 3 pour avoir moins 6, c'est d'après toujours les données de l'exercice, les coordonnées du point oméga. Soit x un élément de r privé de moins 4, on a f de moins 8 moins x moins 6. Ici, j'ai pris l'expression de f et j'ai remplacé x avec moins 8 moins x. Même chose au dénominateur. Alors, on va développer 3 fois moins 8, c'est moins 24. 3 fois moins x, c'est moins 3x, puis moins 2. Moins 8 plus 4, c'est moins 4. Et moins x, c'est moins x. Après, on va factoriser le nominateur et le dénominateur par moins 1 et en même temps on va simplifier. Donc on aura 24 plus 3x plus 2. Le dénominateur x plus 4. Après on va mettre au même dénominateur
la première fraction ou bien le nominateur de la première fraction reste inchangé, la deuxième fraction moins 6 fois x c'est moins 6x et moins 6 fois 4 c'est moins 24. Après la simplification entre 24 et moins 24, donc on aura f de moins 8 moins x moins 6 égale moins 3x, car 3x moins 6x c'est moins 3x plus 2 et le nominateur c'est x plus 4. Après on va factoriser avec moins 1, alors il nous reste 3x moins 2, car moins 1 fois 3x c'est moins 3x et moins 1 fois moins 2 c'est plus 2. Et cette expression c'est l'opposé de l'expression de f de x, c'est-à-dire égal à moins f de x. D'où la deuxième condition est vérifiée, c'est-à-dire quel que soit x appartient à R sauf moins 4, f de moins 8 moins x moins 6 égale à moins f de x. D'où cela signifie que le point oméga de coordonnées moins 4, 3 est un centre de symétrie de la courbe représentative CF de la fonction f. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.